La Maison Blanche, c'est un livre en fait qui est venu d'une, comment dire, d'une conviction que on croit tout savoir sur ce lieu qui est un lieu mythique, c'est un lieu qui est symbolique dans le monde entier, et on dit que c'est le lieu le plus puissant de la planète. On croit tout savoir et en fait il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de secrets effectivement. Qui viennent de l'histoire, qui sont encore à découvrir. Et pourquoi ? Parce que petit à petit, les archives, notamment les archives des présidents successifs, sont déclassifiées et on découvre des documents qui éclairent d'une lumière nouvelle des événements de l'histoire. Alors on a essayé de prendre des événements forts et symboliques depuis Jefferson jusqu'à Obama. Et on raconte donc un certain nombre d'événements vus de la coulisse de la Maison Blanche, comment ça s'est réellement passé dans le bureau ovale. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir d'une certaine période, notamment de FDR, de Franklin Roosevelt, il y a des enregistrements même à l'intérieur du bureau ovale. Ça, on le sait pas trop, mais il y a des micros. Alors le premier micro, c'est le premier magnétophone, c'est le prototype en fait du magnétophone qui est installé par Roosevelt lui-même. C'est une espèce d'appareil qui se trouve dans le sous-sol, sous le bureau ovale, et qui enregistre ses conversations. Alors il y a peu de choses enregistrées. Mais petit à petit, à mesure que les présidents vont se succéder, ce dispositif d'écoute va être développé et on dispose aujourd'hui d'un certain nombre de bandes qui racontent, qui nous permettent d'être vraiment dans le secret des présidents. Donc on a éclairé un certain nombre d'événements avec ces documents-là, les documents déclassifiés, mais aussi les notes personnelles des présidents que les familles ou les héritiers ont permis de rendre public, et puis ces fameux enregistrements sonores qui sont totalement étonnants, parce qu'on peut écouter la voix de Franklin Roosevelt dans son bureau, on peut écouter Nixon, on se souvient des fameuses bandes de Nixon, voilà. Alors, on a écrit ce livre, on a pris 10 chapitres, un petit peu comme 10 nouvelles. On a voulu vraiment se mettre dans la peau des personnages, à l'intérieur de cette Maison Blanche, comme si on y était, comme si on était une petite souris, comme si on voyait tout. Et donc, on raconte ça de la manière la plus historique possible, parce que Nicole est historienne et on est... on est donc soucieux d'être au plus près des faits. On ne tient compte que de ce qu'on est sûr. On a vérifié toutes nos sources. Mais on le raconte effectivement d'une manière la plus agréable possible, c'est-à-dire d'une manière écrite et romanesque, un peu comme des nouvelles. Ce sont des nouvelles, mais c'est du vrai. En fait, la grosse difficulté aujourd'hui, quand on fait une recherche de ce type, c'est la masse des sources. C'est vraiment de trouver la manière de s'orienter, de chercher, de choisir, de vérifier, évidemment. Mais on est plutôt submergé d'informations et de documents que de difficultés à les trouver. Il y a évidemment les bibliothèques des grandes universités. Moi, j'ai la chance de travailler à Stanford une partie du temps et c'est vraiment une mine. Il y a à la fois les livres, les documents historiques, photocopiés, même sur microfilm très anciens. Il y a énormément de choses vraiment l'écriture des présidents, les petits gribouillis dans les marges. Et puis, il y a toutes les archives sonores, tout ce qu'on peut aussi trouver sur Internet. Et puis, les bibliothèques présidentielles. Donc, c'est énorme et ça prend beaucoup de temps de trouver son chemin à travers tout ça. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette recherche, c'est que on voit à quel point, par moment, c'est vraiment les hommes qui font l'histoire. Ils prennent une décision et quelquefois ils ont hésité, ils auraient pu en prendre une autre. Et cette autre décision, elle aurait amené un tas de conséquences tout à fait différentes. Et puis évidemment, c'est banal de le dire, mais ça se révèle toujours vrai. Les présidents américains qui ont une image, qui sont des icônes, la réalité est toujours beaucoup plus compliquée. Je pense par exemple à Abraham Lincoln, le grand émancipateur des esclaves, et dont on a découvert que ce n'était pas du tout son projet de libérer les esclaves. Et le chapitre qui le concerne commence par une réunion dont on a toutes les minutes, donc tout ça a été vraiment vérifié, où il a convoqué à la Maison Blanche plusieurs leaders noirs de Washington.
et il leur explique que la race blanche et la race noire ne pourront jamais vivre ensemble et qu'il faut qu'ils quittent les États-Unis, qu'ils repartent en Afrique ou en Amérique du Sud et qu'ils fassent ça parce que voilà, c'est la guerre, c'est en pleine guerre de sécession et franchement, il leur dit, allez, un peu de dévouement. Donc l'image de Lincoln, qui finira par libérer les esclaves, elle est quand même pas mal écornée. Parmi les autres, dans chaque chapitre, il y a vraiment des moments qui nous ont touchés, qui nous ont aussi choqués parfois. Il y a évidemment, on a une très belle histoire, je trouve, entre Franklin Roosevelt et Churchill, à quel point vraiment ils ont œuvré main dans la main, à distance et parfois vraiment physiquement proches l'un de l'autre, pour essayer de gagner cette deuxième guerre mondiale dans laquelle les États-Unis se sont engagés très tard, alors que Roosevelt savait depuis le début que de toute manière il finirait par être engagé dans cette guerre. Je pense aussi à la reconnaissance de l'État d'Israël par Harry Truman, qui n'avait rien de... ça n'était pas gagné, disons, parce que c'était ce qu'il souhaitait faire au début, et puis les choses se sont révélées tellement compliquées, non seulement sur la scène internationale, mais au sein même de l'administration américaine, qu'il a failli ne pas le faire, et que c'est un de ses... peut-être son plus vieil ami, qui l'a convaincu vraiment au dernier moment et dans des circonstances très très émouvantes. Et on a eu en main le document, enfin la copie exacte du document où Truman reconnaît l'État d'Israël le lendemain même de sa proclamation. Et c'était, il y a quelques lignes écrites tapées à la machine. Les États-Unis reconnaissent l'État juif. Et Truman, de sa main, a rayé et a ajouté Israël, parce qu'en fait, il ne savait pas quel serait le nom de l'État jusqu'à la dernière seconde.